Salut à tous! Aujourd'hui, je viens vous faire une nouvelle vidéo pour vous parler d'un site que je viens de découvrir qui est monjolisautoir.fr. Donc, voici la carte qui était glissée dans mon colis avec l'adresse du site, etc. Donc, en fait, pour la petite histoire, j'ai découvert ce site particulièrement en regardant plutôt une vidéo, on va dire, de Je ne suis pas jolie. En fait, elle proposait un lookbook où elle avait un colis que je trouvais super sympa. J'ai regardé d'où il venait. Il venait de ce site. J'ai été sur le site et j'ai trouvé que les prix étaient assez abordables pour des colis, en fait, que moi, je voulais acheter dans certains magasins, genre Zara, H&M, etc. Il faut savoir que ce genre de colis que j'ai acheté, donc, de ce type-là, c'est des colis que vous trouvez dans les 10, 15, 20 euros dans les magasins genre Zara, Stradivarius, H&M, etc. Moi, je trouve que c'était un petit peu abusé pour des colis qui sont quand même pas en argent ni en or, etc. Et donc, du coup, j'achetais pas trop, mais j'avais très envie quand même d'en trouver des pas trop chers. Et ce site-là en propose, donc je suis plutôt contente du coup de pouvoir vous en parler aujourd'hui puisque j'ai réalisé cette commande en fait. Mardi dernier, elle est arrivée jeudi, donc c'était hyper rapide. J'ai jamais vu un site qui livre quand même aussi rapidement, donc ça c'est vraiment un super bon point. Donc j'ai acheté environ pour 40-45 euros de produits, je sais plus exactement. Et en fait, quand vous achetez à partir de 40 euros, vous avez les frais de port qui vous sont offerts, donc ça c'est plutôt cool. Et vous avez également des petits cadeaux, donc je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai plus les prix en tête par contre pour les produits, hein, puisque je n'ai pas de facture dans le colis. Donc en cadeau j'avais celui-ci à partir de 30 euros d'achat, donc c'est un petit miroir tout mignon, voilà, donc je vous montre pas, vous savez ce que c'est qu'un miroir, petit miroir de poche, voilà. Et vous avez ensuite pour les commandes qui dépassent 40-45 euros, je sais plus trop, un petit gel antibactérien, bon vous ne choisissez pas l'odeur, moi j'ai eu le petit bleu donc de la marque Andy. Donc j'ai tendresse et j'ai antibactérien, voilà, je pense que c'est ça. L'odeur, voilà, donc il y a 30 ml. Hop, et au niveau de l'odeur, je crois que c'est un petit peu frais en fait. Bon, c'est une odeur assez fraîche. Donc ça sent assez bon, ça pourrait être dans mon sac à main sans aucun problème, puisque ça prend pas du tout de place. Voilà, donc ça c'est les petits goodies, voilà. On va passer à la commande et aux bijoux que j'ai commandé. Donc j'ai commandé surtout des colliers, puisque c'est ce qui m'intéressait le plus. Il y en a vraiment plein, des super chouettes, etc. Je suis restée sur des trucs assez sobres pour pouvoir aller avec n'importe quelle tenue, puis je voulais tester un petit peu la qualité des bijoux, puisque moi j'ai déjà commandé des bijoux de ce style sur les sites chinois, et j'ai toujours eu des grosses surprises, c'est-à-dire que le bijou ne tenait pas plus d'une journée ou 2-3 jours, ou qu'il était très vite abîmé, voire qu'il était abîmé à la réception. Donc voilà. Moi c'est le genre de truc qui m'énerve un peu, donc je voulais d'abord voir ce que ça valait, et je vais vous en parler donc aujourd'hui. Donc tout d'abord je vais parler du collier que j'ai autour du cou, qui est le collier qui doit être le moins cher de la commande, donc qui est comme ceci. Alors je suis désolée, ça va peut-être pas bien se voir, je suis toujours assise par terre pour tout vous dire. Donc je vais me remonter un petit peu, donc voilà le collier, donc ça c'est le premier. Donc c'est un sautoir qui ferme comme ceci, voilà, vous avez une petite chaîne. Donc il est assez long celui-ci, vous pouvez régler à chaque fois la longueur, donc vous pouvez le mettre aussi très bien comme ceci ou comme ça, voilà. Donc il est quand même assez long, donc moi j'aime plutôt bien, je trouve que ça va bien avec le style de haut que j'ai aujourd'hui. Et il est assez joli, donc celui-ci c'est comme celui que j'aime le moins, qui fait le plus entre guillemets classique dans la commande, mais je le trouve quand même mignon et voilà, il s'adapte bien avec n'importe quel style de vêtements. Ensuite j'ai commandé... Alors j'ai plus exactement les prix, hein, mais il me semble qu'ils étaient tous à moins de 10 euros, peut-être un qui était à 10 euros, je sais plus trop. Donc j'ai celui-ci, donc qui est avec des feuilles. Donc c'est une grande feuille en fait, je sais pas si vous allez bien voir. Donc ça donne à peu près ça, voilà, je sais pas si ça va se voir très bien. Donc celui-ci est très sympa, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est très original. Donc vous avez également le même genre de fermeture, donc ça c'est plutôt cool, vous pouvez régler également la hauteur, la longueur sur le cou, donc ça c'est vachement bien. Si on veut avoir plutôt un raz-de-cou ou quelque chose de plus long. Donc celui-ci est très joli. Je l'imaginais quand même un peu plus fin. Mais c'est vrai que s'il avait été plus fin, il aurait été plus fragile. Mais je trouve qu'il fait quand même son petit effet. Donc par contre ça, ça va pas du tout avec le genre de haut que j'ai aujourd'hui. Voilà, c'est plutôt avec un haut de couleur unie. Ça se marie très bien. Mais un haut avec des motifs, ça fait un peu bizarre je trouve. Donc voilà, après tout dépend ce que vous portez bien sûr. Ensuite, on va rester dans les colliers argentés. Donc cette fois-ci, j'ai pris un collier raz-de-cou. Alors, je ne vous ai pas montré, mais en fait, les bijoux sont dans des petits pochons comme ça, jaunes. C'est super joli comme attention. Je trouve ça vraiment très bien emballé.
Donc, et je vous ai pas dit non plus, mais c'était emballé également là-dedans, dans un petit papier de soie bleu avec un petit post-it pour vous remercier donc personnellement de votre commande. Donc ça, je trouve ça très mignon. Et un petit sticker, mon joli sautoir. Donc je suis dans les emballages, c'était dans un petit carton comme ça. Voilà, donc ça c'est quand même vachement bien emballé. Et vous avez également du papier bulle tout autour pour éviter la casse. Donc c'est super bien protégé. C'est envoyé rapidement, ça arrive vite et c'est super bien protégé. Donc franchement, j'ai rien à dire sur tout ce qui est emballage, etc. Conditionnement, c'est top. Je reviens à mon collier. Donc troisième collier que j'ai commandé. Donc celui-ci, c'est un rat-de-cou comme ceci. Donc celui-ci est beaucoup moins réglable entre guillemets, puisque bon, vous avez toujours ici la petite chaîne pour régler. Mais c'est vraiment un rat-de-cou celui-ci, beaucoup plus que les autres. Puisqu'il est comme ceci avec une tige en métal. Donc celui-ci, ce qui m'a plu, c'est les petites breloques, je sais pas trop comment ça se dit ici. Je trouve ça très joli. J'en cherchais également avec un noir, un sur deux, etc. Bon, je crois pas qu'il y en ait sur le site. Mais je trouve ça vraiment très sympa, ça aussi. Donc ça arrive à peu près à ce niveau-là. Au niveau du cou, donc c'est assez mignon. Bon, ça n'allait pas trop non plus avec le style de mon t-shirt du jour. Mais voilà, c'est un joli collier que moi j'aime beaucoup. Ensuite, toujours dans les colliers, je suis en train de chercher parce que, ouais, ils sont là. Donc ensuite, j'ai commandé, ça c'est un de mes favoris, je pense que c'est même mon préféré de la commande. Donc c'est un collier torsadé, noir, blanc, argenté un petit peu. Donc il est comme ceci, je crois que celui-ci a dû coûter 8-9 euros, je crois que c'est un des plus chers. Dans ce que j'ai pris en tout cas. Parce que sur le site, on peut avoir des colliers qui vont jusqu'à 15 euros, je pense, je sais plus exactement. Donc voilà, celui-ci est comme cela. Donc celui-là, je le trouve très chic. Je trouve que pour une soirée, il est vraiment très sympa. Ça fait tout de suite un petit côté chic, etc. Je trouve qu'il est très mignon. Ça habille également une tenue classique, etc. pour aller travailler. Mais c'est vrai que pour une soirée, je trouve qu'il est particulièrement sympa. Donc celui-là, un petit coup de cœur. Je trouve qu'il est super joli. Ensuite, le dernier colis que j'ai pris. Celui-ci, j'aime beaucoup également. Par contre, j'ai un petit peu peur parce qu'il y a des strass. Qu'elle s'en aille, comme c'est pas un collier en argent, etc. Donc c'est un collier, alors celui-ci est un peu plus plastique, donc voilà, vous avez toujours le petit fermoir. Par contre le style, c'est carrément ce que j'adore. Voilà, ça faisait longtemps que j'en cherchais un comme ça. Il est noir, donc ça c'est parfait, il se marie avec beaucoup de choses, mais moi j'aime beaucoup ce genre de collier. Vous avez des petites breloques comme ça et des petits strass au milieu, je trouve ça super joli. Donc ça rend à peu près comme ça. Je vous montre vite fait hein, parce que c'est pas facile. Voilà, et celui-ci je le trouve vraiment très très joli. Pareil, c'est un de mes favoris de la commande. Je sais plus combien je l'ai payé, mais vous voyez, vous avez des chaînons comme ça, donc c'est pas c'est du métal un peu noir. Voilà, c'est pas exactement le même genre de matière que les autres colliers, mais je le trouve super joli. Je sais pas s'il y a d'autres coloris sur celui-là, parce que franchement, je le trouve vraiment très très beau. Celui-là, je l'apprécie beaucoup. Voilà, voilà. Donc, pour les petits colliers donc, que j'ai reçus, que j'ai pris, quoi. Et hop, on met dans son pochon, c'est super. Je trouve que c'est pas mal, ça en plus comme idée cadeau, vous pouvez mettre dans le pochon. C'est vraiment une super présentation. Le site d'ailleurs propose aussi un emballage cadeau, donc si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un, etc. sur ce site, c'est tout à fait possible, puisqu'il propose donc l'emballage cadeau, donc ça c'est plutôt cool. On va passer ensuite au reste de la commande, puisque je n'ai pas commandé que des colliers. J'ai également craqué sur des tatouages éphémères, donc il propose aussi quelques choix de tatouages éphémères. Comme vous le savez, moi j'adore les tatouages éphémères, bon j'aime bien les tatouages aussi, mais bon, comme j'aime bien changer régulièrement, un vrai tatouage pour moi ça me correspondrait pas trop. Et donc j'ai voulu tester une de leurs planches, puisque je connais pas du tout cette marque, je connais pas du tout ce que, enfin je sais pas du tout ce que ça va rendre, si c'est bien ou pas. Donc c'est les tatouages Bitatou, Temporary Art Tattoo, qui sont comme ça. Donc c'est surtout des tatouages dans les tons dorés argentés. Donc là j'ai choisi une planche où il n'y avait pas trop de doré, parce que moi je suis pas très fan du doré, mais plus de l'argenté ou du turquoise. Alors le turquoise je le trouve vraiment très très joli. Alors je sais que ça se... Voilà, je sais qu'il n'y a pas de reflet. Et donc ça coûte 5,90€ je crois, il me semble dans mes souvenirs. Donc c'est pas excessif pour des tatouages temporaires, après il faut voir combien de temps ils durent puisque... Ça c'est comme tout. Par contre, vous pouvez voir, la planche est assez grande par rapport à du bourgeois. Alors je crois que je dois en avoir devant moi du bourgeois pour vous montrer une planche. Bon là, c'est une planche qui a déjà servi. Mais par rapport à la taille, vous voyez, c'est beaucoup plus grand. Voilà, ça n'a rien à voir. Donc là, vous pouvez faire carrément des colliers avec ce qu'il y a sur les côtés. Et même aussi des petits bracelets, etc. Mais c'est quand même assez grand. Donc vous pouvez quand même couvrir de grosses surfaces. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Derrière, on vous explique comment l'appliquer.
Vous avez des photos, etc. Des explications. On vous explique également comment le retirer, donc avec une huile démaquillante, une lotion pour bébé, etc. etc. Donc je ne sais pas combien de temps ça va tenir. Je testerai, puis je reparlerai sur le blog avec des petites photos, bien sûr. Voilà. Et enfin, pour terminer, j'ai commandé 2 paires de boucles d'oreilles. Il faut savoir qu'il y a aussi sur le site des bagues, des broches, des bracelets, etc. Voilà, j'ai pas tout regardé, je pouvais pas tout acheter non plus. Je voulais bien acheter une bague, hein. Et donc, j'ai pas trouvé mon bonheur. En fait, les modèles que j'aimais bien, j'avais déjà plus ou moins, donc je me suis dit, c'est pas la peine d'acheter encore. Donc, il faut savoir que les boucles d'oreilles sont dans des petits pochons, alors blancs, comme ceci, alors que les colliers, c'est plutôt des pochons jaunes, beaucoup plus gros. Voilà. Et donc j'ai acheté 2 paires comme je vous le disais. Donc j'ai acheté cette paire là qui est la plus chère et la plus grosse. Alors ça c'est tout à fait mon style de boucle d'oreille. Je la trouve magnifique. Elle est superbe pour l'été, franchement top. Mais elle est beaucoup trop imposante. En fait vous allez voir au niveau de l'oreille ça donne ça. C'est méga gros. C'est méga joli. J'adore. Je trouve ça super beau. C'est tout à fait mon style de boucle d'oreille. J'adore. Je trouve ça super beau. Mais c'est hyper lourd. C'est une attache comme ça avec clou. Et pouf, l'oreille elle plonge d'un coup. C'est clairement pas des boucles d'oreilles que je peux porter du coup toute la journée, mais plutôt pour une soirée. Donc c'est pour ça que j'en ai pris qu'une paire, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de boucles d'oreilles assez imposantes dans ce style là. Je me suis dit, ça risque d'être un peu lourd pour mes oreilles, je sais pas si je vais trop investir là-dedans, et j'ai bien fait. Parce que c'est vrai qu'elles sont un peu lourdes, mais elles sont super jolies. Et ce qui est bien sur ce site, ce qui m'a aidé également à choisir ces boucles d'oreilles et pas en prendre plus, c'est qu'il y a écrit toujours la taille des bijoux. Donc on sait à peu près combien sont les boucles d'oreilles. Donc là j'avais lu qu'elles étaient quand même à 7-8 cm. Je me suis dit ouais c'est quand même des boucles d'oreilles imposantes. Je pense que ça va être un peu lourd pour les oreilles. Je vais essayer, on verra bien. Et effectivement c'est un peu lourd. Donc je pense que je ne rejetterai pas ce genre de modèle comme ça. C'est dommage parce qu'il y en avait des noirs qui étaient sublimes. Mais quand j'ai vu la taille des boucles d'oreilles, j'ai fait non, je pense que ça va être trop lourd. Et franchement heureusement qu'ils le mettent parce que c'est vraiment cool. Ça vous permet de mieux vous rendre compte de la taille des boucles d'oreilles. Des fois sur certains sites vous regardez des photos, vous dites elles vont être géantes et en fait elles sont petites. Des fois vous les regardez, vous dites bon c'est des petites boucles d'oreilles, en fait elles sont énormes. Donc là ça permet vraiment de se rendre bien compte de la taille des boucles d'oreilles, ça c'est vraiment cool. Et donc j'ai pris une deuxième paire de boucles d'oreilles, toujours dans un petit pochon blanc. Celles-ci je les adore, elles sont nickel, elles sont pas trop grosses, elles iront presque bien même ailleurs avec mon haut. Donc elles sont comme ceci, donc c'est toujours des clous, donc voilà. Et elles sont en fait argentées avec des petits strass et couleur corail et elles sont juste parfaites pour l'été. Donc vous voyez elles sont pas trop grosses, elles se voient quand même, hein, c'est pas un truc non plus hyper discret et je pense que ça irait bien avec mon haut pour le coup. C'est mignon. Voilà, je les trouve super jolies celles-ci. Et franchement, si je les avais dans d'autres couleurs, je pense que je les achèterais parce que elles sont assez fines. Elles sont pas trop grosses, pas trop petites non plus. Et surtout, elles sont pas lourdes pour les oreilles. Donc elles sont vraiment super mignonnes. Celles-là, je les trouve vraiment super jolies. C'était un gros coup de cœur quand je les ai vues sur le site. Et ça se confirme quand je les vois en vrai. Elles sont vraiment top, quoi. Voilà, donc c'est tout pour ma commande monjolisautoir.fr. Voilà, donc j'ai acheté quand même pas mal de choses. Dans l'ensemble, je suis quand même très 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 contente de ce que j'ai reçu. J'ai pas testé les bijoux très longtemps, entre guillemets. Il y a juste ce collier que je porte aujourd'hui que je suis en train de tester. Sinon, les autres, je les ai pas portés non plus super longtemps. Donc, je pourrais pas vous dire mon avis sur la durée, etc. Mais en tout cas, première vue avec tout ce que j'ai reçu, c'est plutôt pas mal. Les finitions ont l'air d'être assez bien. C'est de la meilleure qualité que les bijoux que j'ai pu trouver sur des sites chinois. Donc, ça, c'est plutôt cool. Les boucles d'oreilles sont très mignonnes. Les colliers que j'ai commandés sont aussi très sympas. Donc, vraiment, je suis assez contente de cette commande. Et je pense que je vais recommander sur ce site parce qu'il reste plein de trucs qui me plaisent, donc on va voir. J'en reparlerai en tout cas si je fais une nouvelle commande, je referai une vidéo dessus. Mais en tout cas, voilà, pour mon premier avis sur mon joli sautoir, pour moi c'est plutôt positif. Donc voilà, je vous invite à aller faire un petit tour sur ce site. Vous pourrez trouver quelques bijoux, etc. qui sont quand même moins chers que dans les sites, que sur les sites et magasins de Zara, etc., H&M. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai montré, n'hésitez pas. Et puis je vous dis à bientôt. Salut !